Aujourd'hui, nous allons réaliser la salade de pois chiches et de lentilles sauce houmous. Pour commencer cette recette, la veille, on a mis à tremper dans de l'eau les pois chiches afin de les réhydrater. Maintenant, on va pouvoir les mettre en cuisson. Donc, on a mis de l'eau à chauffer. On ajoute à l'intérieur les pois chiches. On va mettre une partie des carottes qu'on a préalablement lavées, épluchées et taillées en paysanne. Alors, on les a quand même fait assez épais puisqu'on est sur une cuisson de 1h30. On ajoute également les oignons qu'on a épluchés et émincés. Donc, une partie, bien sûr. On ajoute une feuille de laurier et on porte à ébullition. Alors, ce qui est important, c'est le temps de trempage des pois chiches. Donc, le faire la veille, c'est-à-dire au moins minimum une nuit. Si vous ne le faites pas, forcément, vous allez augmenter votre temps de cuisson. Lorsque ça bout, on va baisser à frémissement et laisser cuire pendant 1h30. Pendant ce temps-là, nous, on va cuire les lentilles corail. Donc, on a pris un récipient, on a mis de l'eau, on met à chauffer, on ajoute les lentilles corail, la feuille de laurier, un peu de sel. Alors, vous noterez qu'on n'en a pas mis dans les pois chiches, c'est normal, parce que comme c'est une cuisson longue, le liquide va réduire, donc on les salera uniquement aux trois quarts de la cuisson. On ajoute le restant d'oignon et les carottes. On porte à ébullition et comme les pois chiches, lorsque ça bout, on va baisser à frémissement. Par contre, là, on va les cuire que 15 minutes. Au terme de la cuisson des lentilles et des pois chiches, on les laissera refroidir dans leur eau de cuisson et ensuite on les égouttera. Nous avons préparé la sauce houmous. Alors, au terme de la cuisson des pois chiches, on les a laissés refroidir, on les a égouttés, on a retiré la garniture, on a utilisé les deux tiers des pois chiches pour réaliser la sauce. On a fait un houmous traditionnel, mais tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté plus de bouillon de cuisson afin de lui donner une consistance de sauce. Nous avons égoutté les lentilles et maintenant, j'ajoute les germes de soja dans le saladier. On va ajouter également les lentilles corail, le restant des pois chiches. Donc là, on va déjà, dans un premier temps, ajouter l'huile d'olive, le vinaigre de xérès. Bien sûr, on assaisonne bien avec le poivre et le sel. On va bien mélanger. On va goûter l'assaisonnement. Voilà, l'assaisonnement est parfait. Tous nos éléments sont prêts. On va pouvoir procéder au dressage. On prend la sauce et on va la disposer au fond de l'assiette. Voilà, on va bien étaler. Ensuite, par-dessus, on va ajouter la salade. On termine, on va ajouter des petites feuilles de menthe donc qu'on a préalablement lavées et feuillées, qu'on va venir mettre un peu partout dans l'assiette. Donc, ce qui va amener un côté frais. La salade de pois chiches et de lentilles sauce houmous est terminée. Bonne dégustation.